Salut l'internet, c'est l'incendif. Donc suite à la vidéo d'hier, du bug qu'on avait trouvé avec Achar, j'ai fait quelques recherches. Premièrement dans cette vidéo, je vais aborder un chapitre où on va parler des collisions en 1.8 et en 1.9. Et deuxième chapitre, je vais vous montrer une petite machine que j'ai créée pour la 1.9 et qui peut marcher aussi en 1.8. Alors, on va commencer déjà par les collisions en 1.8, car je suis en 1.8, c'est écrit en haut là. En 1.8, les collisions étaient un peu comme... c'était un peu... regardez. Donc, on voit les creepers, ils pouvaient avoir des collisions entre eux. Donc là, c'est le bug qu'on a trouvé hier. Ils montent aux échelles comme nous, on le faisait. Sauf que nous... on pouvait pas pousser les creepers, et eux ne pouvaient pas nous pousser surtout. Nous on pouvait, mais eux ne pouvaient pas. Du coup, ça marchait pas avec les entités, ce bug-là. Voilà un petit prototype d'un bug qu'on a trouvé. Enfin, c'est pas un bug, mais quand il y a deux creepers, ils se poussent entre eux et ils tombent. Je peux vous montrer aussi un petit truc pour vous montrer que nous on pouvait pousser les creepers par exemple, car quand on met un creeper qu'on rentre dedans, il monte, mais nous on monte pas. Par contre, ça c'est à la 1.8, mais quand on le met tout seul, bien sûr il monte pas. Donc nous on pouvait pousser les entités, mais eux elles ne pouvaient pas nous pousser. On peut faire ça aussi, c'est marrant. Attends, là j'ai mis beaucoup de creepers et là pouf, regardez, ils essayent d'avancer, il y en a tellement là qu'ils sont rejetés. Nous, ça marche en 1.9. C'est-à-dire que, bon, là, il y a des creepers, du coup, ils explosent. Mais, pouf, là, on serait poussé et on pourrait plus rien faire. Voilà, ça c'est pour la 1.8. La 1.9, c'est exactement la même chose, sauf que maintenant, on peut se pousser entre joueurs en multi, et les animaux, les entités, peuvent nous pousser. Donc, c'est juste la seule différence. Mais moi, hier, je ne savais pas que les entités pouvaient se pousser. Enfin, si je savais, mais je pensais pas que le bug aurait marché avec les entités en 1.8. Donc, je vous retrouve en 1.9 sur une autre map. Bon, me voilà en 1.9. Après la théorie, passons à la pratique, parce que je vous ai pas montré. Regardez, tac. Voilà, le zombie, il me fait monter. Parce que il y a les collisions entre moi et le zombie. Enfin, le zombie peut me pousser. Alors, j'ai remarqué un truc marrant aussi. C'est quand on fait spawner un zombie. On va mettre des blocs au-dessus pour pas qu'il brûle. Tac. Voilà. Là, normalement, il devrait pas brûler, je pense. On va essayer. Non, c'est pas ça. Il devrait pas brûler. Alors, là, game mode 0. Game mode 0. Regardez, il me fait même pas mal. Là, bien sûr, regardez, voilà. C'est ça, j'ai testé ça, et il ne peut pas me faire mal. Voilà, c'était tout. Donc, game mode 1. Maintenant, je vous retrouve dans mon prototype de machine. Alors, me voilà dans mon prototype. Ce qui... bon, on voit qu'on est en 1.9, bien sûr, avec tous les blocs. Donc, c'est un spawner. Un spawner qui marche comment? Vous savez, je vais vous montrer après la construction de spawner. Mais vous savez que c'est un peu embêtant à faire un spawner, surtout avec des sources d'eau. Là, il y a un mini zombie, il fait bugger mon système. Ah, voilà. Là, s'en aller. Donc, là, à la place de mettre des sources d'eau, regardez, j'attends qu'il y ait deux zombies qui se rentrent dedans. Et là, ils vont monter. C'est un peu plus lent, je vous l'accorde. Il faut un peu plus de zombies avant que l'usine démarre. Mais c'est beaucoup plus simple et vous n'avez même pas besoin d'avoir du fer pour le faire. Ah, j'ai dit deux fois fer. Donc. C'est tout basique en fait, c'est exactement le même. Et je les fais monter un peu, puis après ils redescendent par là. Et là, vous allez voir, ça marche très bien. Je vous jure, si je les ai pas fait spawner, voilà. Ça, c'est pendant que je construisais la petite échelle là-bas. Voilà, donc on les fait tomber de je sais plus combien, c'est 22, je crois. De toute façon. Je vais vous montrer après. Alors, est-ce qu'on peut les voir monter là? Alors, est-ce qu'on va les voir monter?
Allez les gars. Ça dépend en fait. S'il y en a d'autres qui spawnent, ça serait cool. Ils vont monter parce que là ils sont pas assez. Ils sont. Ah bah si, ils sont partis. Nickel. Bon allez, on se retrouve pour la construction. Bon alors, passons à la construction de spawner. D'abord, je vais vous montrer parce que moi sur cette map là, c'est une map flat, j'ai pas mis de spawner. Du coup, pour se giver un spawner, c'est cette commande, shgive lra110, donc vous, Minecraft 2. Mob spawner. Tac, et là ça m'en donne un. Ensuite, le problème c'est que comme vous voyez là, on a un spawner à cochon. Donc, prenez un œuf de ce que vous voulez se faire spawner. Pouf. Voilà un spawner de zombies. Donc là, ça spawnera pas parce qu'il y a de la lumière. Hein. Donc, alors, pour optimiser un spawner, il faut d'abord que vous creusiez d'au moins 3 sur les côtés. Enfin, d'au moins 3 sur chaque côté. C'est-à-dire, vous faites une ligne de 3. Comme ça. Là. Là. Ce n'est pas le plus optimisé. Parce que le plus optimisé, c'est quand il y a 4. 4, 3, 3. Mais ça m'embête un peu pour le design de mon usine. Du coup, on va pas faire ça. Hein. C'est un peu. C'est pas très grave si c'est pas très optimisé. Donc, voilà. Ça, pas grave. Hein. On n'est pas là pour que ça fasse joli, on est d'accord. Donc, on va creuser de deux en dessous. Je vous retrouve quand c'est fait parce que c'est un peu agaçant à faire. Ou non, je vais faire un accéléré. Hein. Et voilà, donc là, vous aurez besoin de quelques seaux d'eau et de panneaux. Tac, déjà, on fait comme ça. Alors, on prend des seaux d'eau et on en met comme ça. Voilà, donc là, ça part là. Le problème, c'est que nous, on veut pas qu'il y ait d'eau ici. Donc, on va prendre des panneaux. Zut, ils sont là. Et tac. Donc on prend des panneaux, on sneak. Bon, pas grave, il y a écrit des trucs dessus, hein, c'est juste que le courant d'eau m'embête. Voilà, là, l'eau ne veut plus passer, est bloquée, donc il n'y a plus d'eau. Maintenant, on met un cours d'eau ici et un cours d'eau ici. Donc là, on va tester, là, on arrive là. Du coup, là, on va creuser de 2. Même de 3, je crois. Donc on prend des échelles. On prend des échelles. Où elles sont les échelles normalement? Zut! Il y a un spawn, un zombie qui a spawné. Va-t'en, zombie. Alors, on va déjà l'éteindre pour l'instant. Il doit faire nuit en haut, c'est pour ça que ça spawnait. Voilà, déjà, pour éteindre, pour ceux qui savent pas, vous mettez de la lumière. Donc, on met des petites échelles et on monte 22 blocs de haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Voilà, à peu près. Je sais plus trop ce que c'est, mais moi j'ai mis 22 parce que j'ai testé, ça marche bien. Vous pouvez aller voir sur internet, normalement, vous trouverez à partir de quand les zombies ont... à partir de quelle chute les zombies ont plus qu'un cœur. Donc là, on est bien déjà. Le seul problème qu'on a, c'est les bébés zombies. Alors les bébés zombies sont très embêtants parce que ça fait bugger le système. Donc on va faire un trieur à bébés zombies. Donc là, vous voyez, les zombies sont apportés par là, les bébés zombies surtout. Et là, on creuse. Bon, on va casser ici. On creuse et vous mettez un peu de lave. Voilà. Et là, ils décèdent tous. Voilà. Donc là, vous êtes un bébé zombie, vous passez là et vous tombez ici. Enfin, même parfois ils restent bloqués là, mais ils finissent par quand même par tomber là ou mourir en suffoquant dans des blocs. Donc là, on est pas mal. Maintenant, on va faire la plateforme d'attente. Plateforme d'attente, on va la mettre ici. Oups, on voit plus rien. On va laisser ouvrir. Donc, on va monter un peu ici. Et là, on va attendre nos amis les zombies. On va mettre un petit hopper. Ça, c'est conseillé. C'est pas obligé le hopper. Quand il tombe, et on va prendre des dalles de ça vu que c'est nouveau, donc c'est cool. Et là, vu qu'il n'y a pas de zombies, ils peuvent pas passer ici parce que ça fait plus de 2 blocs de haut. Donc maintenant, on monte là,
On monte en haut de l'échelle. Là, on creuse par là. On va mettre une source d'eau par ici. Je sais pas. Ah zut. Ah non, mais ici c'est pas le bon truc. C'est le spawner ici. Non. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5. Je crois que c'est ici. Ouais, c'était ici. Ah non, c'était pas ici. C'était deux blocs après. Oups. Boulette. Boulette. Je vois rien en plus. Non, mais c'est fou ça. Alors, c'est pas ici. C'est deux blocs après. C'est ici. Voilà, là on est bien. Donc c'est ici. Faudra que je mette de la lumière après. Vous risquez rien voir sur YouTube. Donc là, une petite astuce. Là, ça fait plus de 9 blocs de long. Donc, on est bloqué. Donc, on prend des panneaux toujours. Est-ce que j'en ai là? Non. On prend des panneaux. Les panneaux, on en met un comme ça et un comme ça. Et là, pouf. Sauf que là, ça tombe dans mon trou, donc j'ai pas envie. Donc je mets un panneau ici. Et là, regardez, on va faire comme si on était un zombie. Voilà, on avance. Et là, il y a un petit bug, je sais pas pourquoi ça se rallie comme ça. Pouf. Et on repart. Comme si de rien n'était. Et là, on tombe et on décède. Je vais mettre une torche. Parce qu'on voit rien du tout. Voilà, normalement, bientôt, il y a des zombies qui vont arriver. Parce qu'ils ont spawné malgré mes torches. Bon, là, évidemment, ils vont. Ah là, mais ça m'embête là. Excusez-moi. Voilà, bon, ben, je suis parti avec un zombie. Ceci est vraiment génial. What? Il est pas parti. Parce qu'il n'y avait pas de zombies. Et voilà. Donc il faut obligatoirement qu'il y ait pas mal de zombies quand même avant qu'ils spawnent. Et j'ai oublié un gros truc. Voilà. Voilà ce qui peut se passer. Du coup, on met des blocs au-dessus pour que ça puisse pas se passer. Alors le bébé, est-ce qu'il va être filtré? On va regarder ça. Voilà. Regardez ça. Il est filtré, il meurt. Et bientôt, il y aura des zombies qui vont arriver là. On va aller voir. Voilà, ils arrivent. Donc voilà mon prototype terminé. Je trouve que c'est beaucoup plus simple que de faire la technique où on fait ça. Après un truc comme ça. Enfin, c'est un peu un truc comme ça là. De l'eau. On avance. On remet ça. On remet ça. Et ça marche même en 1.8. Donc voilà. Ça marche en 1.8, c'est pas mal. Voilà, et il marche plutôt bien. Franchement, regardez ça, ça marche plutôt bien. Et en quelques secondes, déjà, il y en a un qui est arrivé. On le tue. Et voilà, donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Bien sûr, ce n'est pas le plus optimisé. Je vous laisse vous prendre ce bug des échelles pour en faire un mieux. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, hein. Allez, salut! Oh,